À nous considérer une journée de solidarité avec maman Cité Soleil. Donc nous avons 3000 mamans que nous venons de là, qui ont même bénéficié de panier solidarité que nous, qui les même stimulé la production locale là. Et nous avons un tirage que nous faisons tout côté que nous avons des fous, frigidaires, Delco et pour mon Cité Soleil pour qu'ils bénéficient tout parce que l'île est temps. Que maman Cité Soleil yo même yo bénéficier. Nous avons l'autre programme que nous avons fait côté que nous déjà installé plus de 80 et lampes énergie solaire dans la cité. Nous allons installer l'autre 100 et lampadaires solaires pour la lumière dans la cité. Et nous avons des curages de canaux que nous avons fait, des travaux à côté de la cité de Maisonneuve. Nous avons tout rénovation et quartier que nous avons fait. Programme d'alphabétisation gouvernement pour entrer dans la Cité Soleil pour apprendre et maman qu'on lit et écrit. Donc c'est tout un programme intégré qu'a fait. Mais aujourd'hui, c'était souvelé un lancement et son journée de solidarité liée avec la Cité. Il y a plus que 3000 mamans qui touchent aujourd'hui à 50 tirages là qui baillent 20 personnes qui gagnent et fou frigidaire avec Delco. En fait, nous connaissons que nous avons une très bonne relation avec Venezuela. Ils ont toujours accompagné nous, ils ont toujours assisté nous. Donc, ça, c'est un autre programme que nous avons gagné avec nous. Côté que nous avons couru le programme ça. Et encore une fois, nous remercions, nous battons bravo pour eux et pour tout ça fait dans le pays. Parce que nous connaissons qu'un pile de travaux qu'a fait dans le pays, c'est avec la coopération vénézuélienne que nous avons fait venir et la coopération cubaine, donc là, même qui a fait l'alphabétisation. Parce que je ne vais pas oublier que nous avons alphabétisé 600 000 personnes. Ça, c'est la première fois dans l'histoire du pays que autant de monde a qu'on lit et qu'on écrit. Et ça fait partie de la justice sociale. Il faut que les gens lit avec qu'on écrit. Parce que si nous ne sommes pas qu'on écrit, qui est-ce qu'on les défendre? Qui est-ce qu'on va faire si nous étudier? Donc, ça, c'était un point principal pour nous. C'était apprendre, eh bien, adultes, parents, apprendre à lire avec qu'on écrit pour aider les foyers. Le programme fait commencer dans le quartier populaire urbain, que ce soit la Cité Soleil, que ce soit Grand Ravine, que ce soit Tibois, on a privé sur tout le quartier. Et encore une fois, ça c'est solidarité de gouvernement avec le peuple. Parce que pendant trop longtemps, nous connaissons que le programme ça, c'est pour une classe bien spécifique que lié. C'est pour les gens qui n'ont pas de moyens, c'est pour les gens qui n'ont pas de grand goût. Donc il faut nous arriver sur le monde de manière directe. Donc ça c'est un petit assistance, un petit coup de pouce, une petite aide que nous baillons, et bien par un moment là, pour nous capables de goûter contre le phénomène grand goût qui est surtout dans le quartier et populaire urbain. Pendant que nous avons l'autre programme de Corée paysan qui a baillé semences, qui a stimulé la production locale là, pendant que nous avons un programme de microcrédit pour le moment, donc programmer des peuples différentes et facettes là-dedans. Donc ça c'est une facette aujourd'hui, nous avons Cité Soleil là, côté que nous avons. Encore une fois, une journée de solidarité avec Pep Cité Soleil. Mais il y a un calendrier qui est bien établi. Pas oublier que et parmi les programmes et assistance sociale, ça c'est une là-dedans. Nous avons un programme restaurant communautaire à tout. Côté que nous faisons un programme, dernier restaurant communautaire. Nous avons 90 restaurants communautaires que nous allons faire dans le pays. Dernier restaurant, c'est dans la cité Maria que nous avons fait. Et côté nous avons compté en pile. Et côté nous allons faire une inauguration de restaurants. Chaque restaurant va plus passer 600 000 manger chaque jour à un petit prix. Donc ça encore une fois et pour monde qui pour comprendre programme ça n'est pas fait pour tout le monde, n'est pas fait pour monde qui travaille, n'est pas fait pour monde qui a moyen, n'est fait pour monde qui pas gain moyen, monde qui pas travail, monde qui dans misère, monde qui dans grand goût, monde qui dans marché pied à terre, eh bien c'est cible là ça. Et encore une fois, n'a fait on ça relé un RUB, registre unique des bénéficiaires pour capable identifier moun yo, pour capable accompagner yo parce que ça c'est première étape, la deuxième étape là c'est étape accompagnement. Parce que faut que les gens soient capables de trouver moyens pour entrer dans l'école professionnelle, par exemple, pour être capables de continuer à sortir dans la misère et dans le grand goût sur le long terme. Mais ça, c'est un coup de pouce que nous baillons, une solidarité que nous gagnons avec les gens qui n'ont pas gagné, les gens qui n'ont pas gagné moyens, les gens qui n'ont pas gagné dans les mains. Eh bien, aucun gouvernement n'a pas pensé à ça. Nous-mêmes, nous faisons ça, nous sommes capables avec ça, nous gagnons. Jean, que un gros leader Fidel Castro dit, il faut que vous fassiez un pile. Avec un petit cap. Et bien, c'est ça que nous avons essayé de faire là. Nous avons essayé de faire un pile pour qu'il y ait plus que 3000 personnes qui l'ont venu aujourd'hui là, avec un petit cap que nous avons dans nous. Parce que nous connaissons que le gouvernement n'a pas de moyens. Haïti n'a pas un pays qui a un gros moyen, mais avec un petit moyen, nous avons séparé avec ce sac de moyens dans nous.